Les amis, avant de commencer cette vidéo, encore une fois, 100 à 150 euros de budget à gagner sur Instagram. Tous les gadgets, c'est pour vous. Ça se passe en description. On passe à la vidéo. C'est parti! Max, viens deux secondes. Quoi? Il me semble que j'ai trouvé. Pas mal, mais ultra putaclique. Bah oui, mais le but c'est ça. Les choper à la source et faire en sorte qu'ils soient attirés à donf. Mais c'est exactement ça. Ah oui. J'ai une putain d'idée. Viens voir. Je suis. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Bienvenue dans une vidéo magnétique, une vidéo aimantée où justement on va passer sur la table une panoplie de gadgets qui possèdent un pôle plus et un pôle moins qui vont nous rapprocher davantage et je l'espère resserrer nos liens. Liens en poil de lama tissés par nos sherpas tibétains pour l'ascension de l'Everest en 1650. Avant de procéder à la présentation du premier gadget aimanté sublimissime de cette vidéo, je vous résume en 20 secondes top chrono ce qu'est le magnétisme. Normalement, dans tout échantillon de matière, les champs magnétiques situés dans les électrons pointent dans des directions différentes et s'annulent mutuellement. Mais lorsque tous les champs sont alignés dans la même direction, comme dans les métaux magnétiques, alors cet objet va générer justement un champ magnétique. Heureusement que le champ est créé uniquement sous cette condition, sinon les électrons situés dans le corps humain obligeraient tout le monde à rester collé au réfrigérateur à chaque passage devant ce dernier. Premier gadget avec le Max Switch. Alors celui-ci, un vrai petit concentré de technologie, même si ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il est utilisé en industrie par les plus grands pour notamment contrôler l'attraction des aimants. En effet, il dispose d'un interrupteur on ou off qui va justement activer ou désactiver la fonction magnétique de l'objet. Il est temps de voir si on arrive justement à la contrôler, cette force magnétique. On prend un objet métallique. Absolument aucune attraction. Et dès lors qu'on tourne l'interrupteur en position on, t'as raison, j'étais pas bon au baseball. C'est pas mal, c'est puissant. Par contre, ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Avant de passer à un objet plus imposant qui va se faire avaler par ce gadget, on va prendre un objet plus petit qu'on va venir faire danser telle une danseuse polonaise qui aurait entendu un air de polka par inadvertance. Alors là, quand on fait justement passer l'interrupteur en mode off au-dessus du petit cube, rien ne se fait, aucune interaction, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il est là la voisine, gros. Et alors là, quand on va l'allumer normalement, ça va virevolter dans tous les sens. Et là, danseuse polonaise. T'as raison, à l'échelle industrielle, c'est pas intéressant ce produit. Blaireau. Et allez, le studio. Avant de passer au gadget suivant, j'ai quand même vous expliquer comment ça marche en une ligne. En fait, c'est simple. Quand on tourne la petite molette ici, que l'on met sur on ou sur off, ça va faire retourner les aimants à l'intérieur de cette cage. Et donc, ils vont être sur le pôle plus ou le pôle moins en fonction de la position de l'interrupteur. C'est parti pour le suivant. Objet suivant, alors là vous allez voir celui-là, il est spécial, extrêmement cher. Pourquoi t'as pas parlé des aimants dans les cordons bleus du perdreau du gros? Oh oui, j'avais oublié. Moi il me manque la Corrèze. Sinon j'ai la carte de France. Pardon. Non. Aïe. Deuxième gadget, le plus cher de cette vidéo, celui qui m'a fait sortir les oursins de mes poches, le fil flux sensation les amis. Regardez ça, cette beauté, cette magie qui va se passer. Et non les amis, la vidéo n'est pas en slow motion, tout est 100% naturel, 100% actuel, 100% vitesse normale. Et malgré plusieurs épines dans le doigt, je suis retourné dans mes poches pour enlever le quatrième oursin et j'ai acheté un deuxième fil flux pour encore plus de sensations. Oh, c'est génial mec. Attends de te faire une camo mi entre les deux. Non mais, c'est quand même magique. T'en mets 100 et t'en mets 100 à la suite. Une demi-heure. Extraordinaire, extraordinaire ce truc.
Alors pour le coup là on va s'équiper comme il se doit avec un aimant. Alors là, un colosse, le Hulk du magnétisme. Un aimant qui peut soulever jusqu'à 800 kg. Ça va être très visuel pour cette expérience-ci. Alors la texture, ça ressemble à de la pâte à modeler. Mais vous allez voir qu'en formant une petite tige, il se fait complètement aspirer. C'est extraordinaire. Une vipère, gros. C'est extraordinaire. C'est à la fois sublime et terrifiant. On a l'impression de voir les créatures des films d'horreur. C'est extraordinaire. Je voudrais pas te sécher en pleine vidéo, mais ça sert à quoi? Mais toi, tu sers à quoi, toi? Bah, je remplace ton trépied, moi, alors. Bah, le but, c'est comment des objets innovants un peu aux gens. Waouh, c'est une patte qui bouge toute seule. Putain, mais... Et là, tout de suite, petite alternative au test, on va rentrer l'aimant à l'intérieur de la patte. Regardez la réaction. Alors là, j'ai complètement été bluffé par l'effet immersif. Ouais, c'était trop bien, Edison. Par l'effet immersif qu'il y a eu à travers cette pâte, franchement, ça l'a absorbé en 2-3 secondes. Exceptionnel. Et dans la même lignée des liquides magnétiques, le ferrofluide Venom. Alors là, celui-ci, de vous le faire gagner sur Instagram, encore une fois, ça pique le portefeuille, mais c'est pas grave. Mais t'as raison, tu fais jamais rien gagner sur Instagram. D'apparence, on a un liquide plus que parfumé. Par contre, à l'intérieur, c'est bien du ferrofluide. Regardez avec l'action de l'aimant. T'as vu comment c'est beau, gros? Pour le coup, on dirait un vrai oursin. C'est génial. Et attends, quand tu fais les deux côtés, oh, c'est magnifique. Tu vois pas de là où t'es? C'est savoureux. Mais arrête, non mais viens vraiment voir. Je sais que tu t'en tapes et que tu veux manger des bonbons. Mais viens voir, s'il te plaît. Non, viens voir, s'il te plaît. Regarde là, on dirait la crête d'un coq. Regarde là, on dirait une disqueuse en action là. Plus la disqueuse que le coq quand même. Dernière expérience avec le vrai fluide magnétique. Là, vous allez voir, ce n'est plus une pâte. On a du vrai liquide, une sorte de pétrole bien noir. J'en ai déjà versé quasiment l'intégralité dans cette petite soucoupe scientifique. Alors là, vous allez voir visuellement, c'est le plus impressionnant de toute la vidéo. Attention, on va le déposer sous le Monster Magnet que voici. Et regardez ce qui va se passer. 3, 2, ah mais je vois plus rien là. Merci. Oh, la vache. Et alors ça les amis, c'est magnifique. Vous ne voyez rien en face de moi, mais c'est normal, j'ai prévu une autre caméra. Vous voyez que la technique sur Edison, on aime ça. Et alors là, on va voir les stalagmites danser à la surface comme il se doit. Dès lors qu'on s'éloigne, la surface redevient complètement plane. Et quand on approche, on voit justement les petites stalagmites qui se forment au fur et à mesure de la descente. C'est exceptionnellement beau. Je suis très très honoré de finir cette vidéo là-dessus. Merci à toi Rémi pour ton assistance technique. Quant à vous les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Dormez bien, rêvez bien, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.